félicitations d'être venus. Vous êtes magnifiques, vous êtes fantastiques, vous êtes géniaux. C'est fantastique. Le revenu de la famille était amputé de 75%. 75% sur celui qui travaillait, parce que certains considèrent qu'être mère ou père de famille, ce n'est pas un travail. Alors maman, toi qui as élevé cet enfant, je ne savais pas que tu étais une fainéante. Je ne savais pas que quand tu nous élevais, tes quatre garçons, tes trois filles, tu ne participais au travail pour le bien commun. On m'apprend aujourd'hui que tu ne servais à rien. Ce n'est pas cette société-là que nous voulons. Nous voulons une société où les hommes et les femmes aient un travail. Monsieur le ministre, monsieur le président, priorité au travail et que ceux qui le peuvent et le choisissent élèvent leurs enfants. Le 6 janvier, Jean-Marc Ayrault a déclaré qu'il souhaitait que les femmes travaillent autant que les hommes. Savez-vous qu'il n'y a que deux pays en Europe où les femmes travaillent autant que les hommes? Ce sont la Lituanie et la Lettonie. Sans surprise, ces pays ont le taux de fécondité le plus bas.